Bonsoir, le club des entreprises Vallée du Bail Serre-Ponçon s'est transporté ce soir dans une entreprise d'un de ses membres, la société Elisport, pilotée, si je peux dire, par Mathieu Dequillac et son équipe. Bonsoir. Donc, je ne sais pas exactement, c'est vaste tout ce dont on pourrait parler. On est implanté dans la Vallée du Bail depuis 20 ans sur ce projet de fabrication de montage d'hélicoptères. Et on a la chance, dans cette petite dimension, de toucher des gens de tout horizon, du monde entier, qui viennent apprendre à voler ici et pour qui on fabrique leurs machines. Cette entreprise, elle est en collaboration avec des Italiens, une famille qui s'appelle les Barbero, côté Turin. Et donc on est en deux parties, une partie des gens qui fabriquent les pièces sur Turin, une partie des gens qui assemblent les pièces ici, qui montent les machines et font du développement. Nous sommes ravis ce soir de recevoir aussi parmi nous Madame Karine Roussel, sous-préfète de Barcelonnette, qui nous fait l'honneur d'assister à la réunion du Club des entreprises. Je vous rappelle que cette réunion se déroule tous les 2 mois. Nous allons continuer notre réunion du Club des entreprises. Nous aurons comme intervention Benoît Delage du cabinet Alpec qui viendra nous parler de la formation du chef d'entreprise. Nous aurons aussi Pierre Alain du cabinet Alpha Conseil qui nous développera une étude qui a été menée par Ubay Tourisme. Nous aurons aussi la primeur de féliciter 2 membres du Club des entreprises, la famille Millon-Rousseau pour leur médaille d'or du Salon de l'agriculture et la coopérative laitière de l'Ubay avec son président qui a eu aussi une médaille pour son fromage frais de la vallée de l'Ubay.